moi, ça m'a frappé plein dans la voiture. Je te dis, ta bonté, appelle à tes côtés. Mais quand il dit ta grâce, qu'est-ce qu'elle dit? Elle m'appelle à être comme toi. Dans le livre de Tite, la Bible nous dit que la grâce de Dieu, source de salut pour tout le monde, nous enseigne à renoncer pas contraire à la sainte. En fait, la grâce enseigne la sainte. La grâce nous appelle à elle. Vous savez, nous disons pourquoi Dieu nous demande ceci. Dieu a toujours voulu que nous soyons comme lui. Vous savez, quand le papa est médecin, il veut que tous ses enfants soient médecins. N'est-ce pas? Quand le papa est pasteur, il ne veut pas que ce soit. Amen. Je blague. Amen. Je blague. Je n'ai aucune aspiration pour mes enfants. Ça m'est égal s'ils ne sont pas ingénieurs ou médecins ou avocats ou je ne sais pas. Tant qu'ils sont des hommes de Dieu, vivent dans la droiture et dans la justice et qui servent Dieu. Moi, je suis comblé. Je suis comblé. Mais je sais qu'ils vont être des médecins. Parce qu'ils sont assez intelligents. C'est vrai, oui. On a des ingénieurs, on a des médecins à l'église qui servent Dieu. Frère Yannick, il est ingénieur. Frère Lionel. Frère Achille. On n'est pas des deux piques, comme on dit au Québec. Nous sommes intelligents, les enfants. Alléluia. On a des infirmières, des informaticiens, des biologistes. On n'est pas une gamme des. Qui ont échoué dans le monde et qui viennent se réfugier dans l'église. Non, on a réussi. Amen. Si on a choisi Jésus, c'est parce que nous sommes intelligents. Alléluia. Écoutez, si
quelqu'un d'entre nous n'y arrive pas, il n'aura que lui-même à plaindre. En tout cas, Dieu a fait sa part. Il nous a donné des gens qui peuvent nous montrer la foi, les paroles. Et nous sommes gâtés spirituellement. Pour certains d'entre nous, c'est le 8e jour consécutif, nous sommes à l'église. Depuis lundi jusqu'à lundi. 8e jour consécutif. Si tu regardes dans le passé, c'est plus que ce que tu faisais dans un an. Amen. Quand on était catholique, on allait seulement à Pâques, à Noël, quoi d'autre. Le vendredi, ça, bon là, c'est encore là, il fallait tirer ça fort, là, je vois les vendredis. Et quand il y avait première communion dans la famille, voilà. On a déjà battu les records annuels de ne pas content. Là pour notre première fois. Non, elle est là.
Les femmes, c'est les lames. Non, Valérie, c'est pas la première fois. C'est la première fois, Valérie. Non. Si, c'est la première fois. Oh. Aïe, aïe, aïe. J'allais t'amener au boulot. Là. C'est la première fois. Non. On l'a dit ça. Non. Ah, il était là. Mais il est passé, on n'a pas été. Tu dis. C'est pas moi. Valérie. Non, je me rappelle, Valérie et Aubin sont venus la toute première fois, dès qu'ils ont mis leurs pieds au Canada, et ils étaient là. Je me rappelle, je me battais avec les deux membres. Je ne savais pas lequel qui était Aubin, lequel qui était Valérie. Et finalement, on a démêlé ça. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Là, on a laissé Joseph. Où est-ce qu'on était rendu? Il était devenu gouverneur, mais il ne s'était pas dévoilé devant ses frères. Oui. Et il s'était déjà dévoilé devant ses frères. Et finalement, Israël s'est retrouvé à émigrer en Égypte pour se cacher de la famine. Et de toutes ces choses. Bon, alléluia. Là, tout le monde se demande qu'est-ce qu'il a dit au frère Apo. C'était secret. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ah. Mais non. Israël est resté là. On était arrivé au point où Israël. On s'était dit qu'il devait rester tout au plus 4 ans en Égypte. Mais Israël est resté en Égypte plus de 400 ans. Plus de 400 ans pour une famine qui devait durer 7 ans. C'est un peu exagéré, juste un tout petit peu. Amen. La famine avait le temps de venir, de passer, même d'être oubliée. Israël est resté quand même en Égypte. Mais là où ils sont restés en Égypte, les années ont commencé à passer, les générations ont commencé à passer. Joseph est mort, le pharaon qui était là au temps de Joseph est mort, et son fils qui l'a succédé est mort aussi. Après 400 ans, 430 ans, on ne sait pas vraiment combien de pharaons se sont succédés, en tout cas moi je ne sais pas. Mais Moïse était plutôt, Joseph était mort. Et on a oublié ce que Joseph avait fait pour le pays. Maintenant, on voyait ce peuple qui se multipliait. Et ils ont commencé à poser un danger pour les Égyptiens. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent, dans les années 86 et 90, il devait y avoir des élections au Congo, Brazzaville, chez le frère Apo. Mais le Congo, Brazzaville, si je ne m'abuse, à l'époque, c'était à peu près 4 millions d'habitants. Mais au Congo, Brazzaville, en plus de 4 millions d'habitants congolais et brazzavillois, il y avait 2 millions de Congolais de Kinshasa. Et là, quand ils ont vu les élections venir, ils ont regardé, eux, 4 millions, les Congolais, 2 millions, ils ont dit, mais ces gens peuvent se faire élire un président à leur goût ici dans notre pays. Et on a commencé à faire la chasse aux Congolais. C'est pas ici, il y en a qui se rappellent de cette époque. Frère Didier peut se rappeler de ça. Ça, je sais que lui, il suivait un peu, il suit la politique. Il est connecté. Et on a commencé à chasser les Congolais, les Quinois. Pourquoi? Parce que leur nombre, leur démographie commençait à influencer le choix politique ou la direction même
du pays. Quand les Égyptiens ont vu les Israélites se multiplier, ils ont regardé, ils ont dit « Wow, ces gens sont trop nombreux. » Et s'ils se liguent avec notre ennemi, nous sommes un peuple perdu. Qu'est-ce qu'on fait? On doit les exterminer. Mais on ne peut pas les exterminer juste comme ça. Et ils sont venus avec une idée très brillante. Ils ont dit, on va les épuiser avec les travaux forcés. On les a mis en esclavage. Et Israël maintenant était appelé à bâtir les villes, les monuments et toutes ces choses d'Égypte. Et là, sous l'esclavage, ils travaillaient durement. Ils étaient asservis, c'était des travaux durs. Et les Égyptiens avaient en tête ceci, que si on les impose des travaux forcés, ils vont mourir vite et leur population va baisser. Mais la Bible nous dit le contraire. On va regarder Exode chapitre 1. On va regarder verset 8. La Bible dit, à nouveau roi, il n'avait pas connu Joseph. Il dit à son père, voilà les enfants d'Israël qui portent un peuple plus nombreux et plus puissant que lui. Alors montrons-nous habile à son égard. Empêchons qu'il ne s'approche et qu'il survient une guerre et il se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler du travail pénible. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Plus on l'accablait, plus il se multipliait et plus il s'accroissait. Plus on essayait de les détruire, plus ils devenaient encore plus nombreux. Et c'est comme ça qu'Israël s'est multiplié en Égypte. Plus on voulait les exterminer, plus ils devenaient plus nombreux. Ils sont devenus tellement nombreux que ces décrets n'étaient plus suffisants. Vous savez, nous devons apprendre des fois une chose. C'est que quand Dieu nous donne une recommandation ou une direction, il faut obéir à la direction de Dieu. Il faut obéir au commandement de Dieu. Des fois, Dieu peut nous amener à une place où, après avoir fait ce que nous devions faire, et que nous devons maintenant quitter, mais parce que ça devient confortable, parce que ça devient bon, parce que ça devient aisé, on ne veut plus quitter la place là où Dieu nous a mis. Je vais revenir juste sur ce point. Ils sont allés en Égypte et ils devaient y rester 4, tout au plus 5 ans, si vous voulez élargir cela. On peut même aller jusqu'à 7 ans, le temps que devait durer la famine. Mais ils sont restés 430 ans. Mais même après être sortis de l'Égypte, ils se sont rappelés des choses qui ont fait qu'ils sont restés longtemps en Égypte. Vous savez pourquoi Israël est resté longtemps en Égypte? Savez-vous pourquoi Israël est resté plus qu'il ne devait rester en Égypte? À cause de l'ail, à cause des poireaux, ils sont restés plus longtemps en Égypte. Ils ont oublié celui qui bénit, mais ils ont commencé à s'appuyer sur les bénédictions. Regardez, Nombre 11, à partir Nombre 11,
chapitre 2, verset 4. Je ramassis les gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. On avait parlé de ça en début d'année. Le point tournant. Amen. Le point tournant. Alléluia. On continue. Je ramassis les gens qui se trouvaient au milieu d'Israël, Jésus fut saisi de gros boitiers. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des œufs. Des œufs. Les œufs là, c'est ail, tout simplement. C'est juste un peu compliqué là, mais c'est pas de l'eau. De l'ail. Mais non. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien, nos yeux ne voient que la mal. En tout cas, ça ressemble trop au pentecôtiste. Ça ressemble beaucoup trop au pentecôtiste. En fait, le pentecôtiste de non seulement. Mais nous voulons être des vrais pentecôtistes. Nous voulons retourner à la Pentecôte. Hey, vous avez déjà oublié? Nous voulons être des vrais pentecôtistes. Allait le faire revenir le rabbin là. À peine, il n'a même pas encore quitté la ville, vous oubliez la Comment? Vous savez, à cause de l'ail, à cause des poireaux, à cause des oignons, ils sont restés plus longtemps en Égypte. Je me rappellerai toujours de cette histoire dans une des synagogues ici. Une fille égyptienne qui connaissait vraiment, plutôt pas égyptienne, mais israélite, qui connaissait vraiment l'histoire, et elle était en train de parler. Et c'est le frère Mike McManus qui m'a raconté cela. Et c'est là que j'ai commencé à chercher pour voir si on trouverait cela dans la Bible. Et on trouve cela dans la Bible. Et elle disait, à cause des poireaux et à cause de l'ail, mon peuple est resté plus longtemps dans un lieu où Dieu ne voulait pas qu'il reste. Et suite à cela, ils se sont retrouvés en esclavage. En esclavage. Et extraordinaire. Mais plus on les oppressait, plus ils grandissaient. Maintenant, cette oppression, quand elle ne produisait pas les résultats attendus, Pharaon a poussé la coche un peu plus loin. On va continuer dans Nombre, plutôt Exode, chapitre 1. Et l'on prit en agression les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent. Verset 12, 13. 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. 14. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en brique et par tous les ouvrages des champs. C'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommés Mun, Chifra et Lophua. Et il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les pièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. C'est une fille, laissez-la vivre. Waouh! Ça, c'était comme. Je ne sais pas s'ils ont encore cette loi. Ça, c'était comme la loi qu'on a en Chine, qui dit qu'un enfant par famille. Et là, tout le monde va faire l'échographie. Si c'est une fille, on l'avorte. Et si c'est un garçon, ben, on le porte à terre. Mais ça débalance la démographie du pays. Alors, on se retrouve avec 80 garçons pour une fille. Là, je donne juste le nombre comme ça. Là. Mais c'est. On ne peut pas faire cela. Mais Pharaon, comme il craignait les Israélites en tant que force et en tant qu'armée, il dit quand une femme israélite va accoucher, si c'est une fille, vous la laissez vivre. Mais si c'est un garçon, tuez-le, prenez-le et allez le jeter dans le fleuve Nil. Et là, les crocodiles vont le manger. Et comme ça, on va se débarrasser de ce peuple.
ils sont trop nombreux, et c'est un danger pour nous et nous devons les exterminer. Maintenant, mais les sages-femmes craignirent Dieu. Mais les sages-femmes craignirent Dieu. Ils ne firent pas ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Comme les sages-femmes ne voulaient pas obéir, Pharaon passe une autre loi. Il dit, tout le monde, si vous voyez un petit garçon égyptien, là, plutôt hébreu, pouf, allez jeter ça dans le Nil, comme ça on va se débarrasser de cette force qui peut être un danger pour nous. Et c'est dans ce contexte-là, c'est dans ce cadre-là que finalement Moïse est né. Sûrement, si on allait lui demander un moment pour naître ou pour venir dans ce monde, il n'allait pas choisir ce moment-là. Mais c'était exactement dans ce moment-là que Dieu choisit de faire venir Moïse sur la face de la terre, avec une condamnation qui pendait déjà sur sa tête. Mais il y a une autre question, un autre point que je voudrais soulever devant vous. Et si nous retournons dans l'histoire, toutes les estimées disent que le peuple d'Israël qui était sorti le peuple qui était sorti d'Égypte était environ, les estimés sont entre, ça varie entre presque 2 millions, un peu quelques millions, il y en a qui vont jusqu'à 5 millions de personnes. Maintenant, si nous comptons Moïse qui fait le dénombrement de tous ceux qui sont sortis de l'Égypte et qui avaient 20 ans et plus et qui étaient capables de prendre les armes, c'était 600 quelques, plus de 600 000 hommes. Que tout le monde dise plus de 600 000. Maintenant, si nous retournons dans l'histoire et que nous regardons l'armée qui était là à l'époque de Moïse, la plupart des historiens disent que le pharaon à l'époque de Moïse devait être probablement le pharaon Ramsès II. Mais non, selon l'histoire, Ramsès II avait une armée puissante de 29 000 hommes. C'était une des armées les plus puissantes et les plus redoutables de son temps. 29 000 hommes. Que tout le monde dise 29 000 hommes. Les Hébreux étaient plus de 600 000. Mais l'armée de Pharaon était 29 000. Mais comment pouvez-vous expliquer que 29 000 hommes puissent garder en esclavage plus de 600 000 hommes? soldats. Écoutez, je ne sais pas s'il y a des matheux ici là, qui peuvent me faire rapidement. Je pense que c'était 670 000, quelque chose comme ça. Mais toi même, 600 000. 600 000 divisé par 29, c'est à peu près 30. Si je suis bon, non, des calculs. Oh non, 20. 20. 20. Pardon? 22 par là. Donc, 22 gars pour chaque 26? Non, 20 689. Donc, 600 000 divisé par 670 000 divisé par 29 000. Je refais, 670 000 divisé par 29. Ça fait 23 pour 100. 23, maintenant 23. Ça, c'est 23 personnes pour chaque soldat égyptien. Écoutez, même si nous sommes faibles, amen, si nous nous mettons à 30, c'est, on peut quand même y arriver. Quand même. Oh,
Vous allez me laisser comme ça? Si nous nous mettons à 30 contre une personne, même s'il est entraîné comment, on peut quand même y arriver. Allez, allez, comment? Je sais que vous êtes plein du Saint-Esprit, vous ne voulez pas vous battre, vous ne voulez même pas penser à la bagarre, mais c'est juste un exemple, c'est tellement spirituel, mais c'est juste un exemple. À 30 contre une personne, on peut y arriver quand même. Alléluia. Ils sont restés en esclavage, asservis par une armée de 29 000. Vous savez la première raison pourquoi? Parce qu'ils ont même oublié qui ils étaient. Et tu te dis, mais pasteur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a à apprendre là-dedans? Nous vivons presque la même chose. Et je pense qu'une moitié de la prédication, presque toute la semaine, était question de cela. Nous vivons toujours en dessous de notre potentiel. Nous ignorons qui nous sommes. Écoutez, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les fils du Dieu Tout-Puissant, rachetés par le sang de l'agneau. Nous avons l'autorité de réprimer n'importe quel démon, n'importe quel sorcier. Nous pouvons le faire. Nous avons ce pouvoir. Très souvent, nous vivons en dessous de notre potentiel. Nous aimons pleurer. Nous aimons nous plaindre. Oh, oh pasteur, cette nuit, il y a un sorcier qui m'a écrasé la tête pendant une heure. Vous savez quoi? Il y a des nuits, ils sont aussi dans ma chambre. Il y a des nuits, ils sont aussi sur moi. Mais je vais appeler qui? Pasteur Serge, écoutez, vous savez, il faut changer de mentalité. Il faut sortir de mentalité de l'esclavage. Il faut sortir de cette mentalité de partenarisme extrême. Écoutez, je suis un soldat de l'Éternel. Ce n'est pas... Oh, le diable me poursuit toute la semaine. Mais c'est parce que tu ne le poursuis pas. Quand est-ce que toi aussi tu vas commencer à poursuivre le diable toute la semaine? Poursuis-le! Poursuis-le! Tu sais, quand j'étais nouveau chrétien, j'ai presque failli tomber dans ce piège. J'étais jeune dans le Seigneur, peut-être 2-3 mois. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je rigole. Tu sais, quand tu es zélé, là, tu pries, tu es jeune, tu viens de découvrir la puissance, le Saint-Esprit. Tu es prêt à aller chercher la bataille. Mais là, ce type, je ne vais pas citer le nom, il dit, ah, vous aussi, vous les pentecôtistes, il faut vous calmer un peu. Vous êtes là tout le temps, oh diable, je t'ai mis, diable, ceci, je te chasse. Si tu le laisses tranquille, il va te laisser tranquille. Quoi? Faux et archi faux. Si tu ne l'attaques pas, il va t'attaquer quand même. Au fait, le diable voudrait même que tu crois qu'il n'existe pas. Il existe. Si toi tu ne le frappes pas, il va te frapper. Mais toi, frappe-le avant. Comme ça, quand il fait un coup, tu as déjà donné 10. On avait un bon boxeur à l'époque, Kalewa, Moses. Il était très bon, il était dans une catégorie, il tapait tout le monde. Et mon oncle était dans cette même catégorie. Donc il tapait aussi mon oncle. Non, pas Sugar, son petit frère. Mais là, un autre boxeur lui a donné ses conseils. Il dit, parce que quand il commençait le combat, quand Moses, il était sûr de lui-même. Donc il allait le niaiser un peu, jouer avec lui. Il dit, quand il fait ces jeux-là, cogne comme ça, quand lui va cogner après, bon, vous êtes match nul.
Il faut frapper l'ennemi. Il va frapper. Ne dis pas que si je suis gentil, il va être gentil. Non, c'est toi ou c'est lui. Il te déteste parce que quand il te voit, tu lui rappelles Dieu. Et tout ce qu'il veut, c'est ta mort. Oh, bien c'est lui, et c'est toi. Écoutez, nous devons réaliser qui nous sommes. Nous devons marcher avec assurance dans notre appel. Nous devons réclamer notre autorité. Très souvent, nous vivons en dessous de notre potentiel. Nous avons peur de prier pour quelqu'un qui est malade, de peur qu'il ne guérisse pas. Ce n'est pas un problème s'il ne guérit pas. Vous savez-vous quoi? Élisée est mort malade. Le prophète qui a fait 13 miracles notoires durant sa vie, le 14e miracle, ce sont ses ossements qui ont fait le miracle. Oh, Dieu ne faillit jamais. Vous savez, Élie était puissant, serviteur de Dieu. Élisée était son serviteur. Élie a fait 7 miracles notoires. Mais quand Élie devait être enlevé, Élisée dit, moi je veux la double portion. Si tu me vois monter, tu auras la double portion. Écoutez, Élisée ne s'est pas laissé distraire par quoi que ce soit. Même lorsque Élie montait, il a jeté son manteau pour que Élisée soit distrait. Il ne voulait pas regarder le manteau. Il voulait la double portion. Il a gardé son regard sur son maître. Et vous savez quoi? Il a ramassé le manteau après et il a eu la double portion. Mais si tu étudies la vie d'Élisée, il a fait 13 miracles et il est mort. Vous savez quoi? Après le 13e miracle, après sa mort, il est mort malade. Après sa mort, l'enfer a commencé à danser. On a trouvé une faille dans la parole de Dieu. Ah, il a dit double portion, mais 7 fois 2, ce n'est pas 13, c'est 14. Alléluia, il est mort, c'est fini, il est mort, c'est fini. L'enfer s'est réjoui, mais il ne savait pas. Vous savez, à un moment, Élisée était enterré, pourri. Il ne restait que les os. Les enfants d'Israël qui étaient assiégés, aller pour porter leur cadavre, pour enterrer leur cadavre. Là, ils entendent les pas, ils entendent du bruit, ils pensaient que c'était leur ennemi. Ils prennent le cadavre de leur mort, ils les jettent dans la grotte qui était là, mais c'était la grotte où on avait enterré Élie. Ce cadavre tombe sur les ossements d'Élie. Plutôt d'Élisée, le cadavre revient à la vie, le 13e miracle, et le ciel fait seulement. 14e miracle. Vous savez, j'ai même perdu le compte. Le ciel fait seulement. Et là, la fête dans l'enfer finit. La parole de Dieu est solide. La parole de Dieu est infaillible. Elle ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce à quoi elle a été envoyée. Et si cette parole même te dit que les croyants imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, tu peux aller à la fin sur cette parole. Si cette parole te dit aujourd'hui, tu chasseras les démons, tu peux aller à la fin sur cette parole. Il y a un moment où tu dois juste être fâché aussi. Juste être fâché, juste avoir un peu d'attitude. Ne te laisse pas te déranger dans ton sommeil continuellement. Fâche-toi un peu. À chaque fois que le diable se pointe, mais non. Dis assez. Sors d'ici. Quand j'ai acheté ma maison, on a commencé à habiter là où nous sommes. Écoutez, la première semaine, c'était bizarre. Il y avait toujours des choses. Tu ressentais toujours des présences. Tu dormais et puis... tu te réveillais toujours parce que tu étais dérangé. Tu sentais toujours cette oppression spirituelle. Mais un jour, j'en avais assez. En plein milieu de la nuit, je me réveille, j'ouvre ma fenêtre, je dis « Sors maintenant !» Tu sors de ces lieux dans le nom de Jésus-Christ. J'ai acheté cette maison, je travaille pour payer mon hypothèque, je ne suis pas en retard dans mon hypothèque. Cette maison appartient, tu sors d'ici la maison. Je
que la prémisse a été donnée à Dieu. Sors d'ici. Tu sais quoi? Il est sorti et on a commencé à dormir en paix là. Nous devons exercer notre autorité. Nous ne pouvons pas être en esclavage parce que nous ignorons qui nous sommes. Nous devons refuser de vivre dans la crainte, dans la peur. Écoute, plus s'il vient te déranger, prie encore. Prie encore plus fort. Prie encore plus fort. Loue encore plus fort. Aïe, 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 aïe. Bon. 430 ans. Parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. 430 ans. Parce qu'ils ne connaissaient même pas leur identité. Nous ne pouvons pas être des esclaves. Amen. Et après, alors qu'il y avait ces décrets de mort sur tout garçon qui naissait, c'est là que Moïse est né. Est-ce qu'il est vraiment venu? Non, il y a 8 heures. Voilà, parce que là, je me disais au plein, j'ai du temps aujourd'hui, c'est fou. Ah, je pensais que c'était un truc juste pour regarder le monde. Ben non, je ne suis pour rien, je pensais que c'était un truc. Aïe, aïe, aïe. Non, ça m'a intrigué un peu. C'est-à-dire que la batterie est finie. Maintenant, c'est dans ces circonstances-là, dans les pires circonstances, que Moïse est né. Vous savez, laissez-moi vous donner une autre leçon. C'est toujours dans les situations difficiles où naît la solution de cette situation. Il ne faut pas fuir la situation difficile. Parce que chaque situation difficile va engendrer elle-même sa délivrance. Il ne faut pas juste essayer de prendre des Tylenol. Chaque situation difficile engendre sa propre délivrance. Juste un avant-goût, regardez l'histoire d'Esther. Mardoché, on en voulait à sa vie. Aman a construit un échafaud long pour pendre Mardoché là-dessus. Ils ont prié. Mais savez-vous comment la délivrance est venue? Aman a été pendu au même échafaud qu'il avait fait pour Mardoché. La situation difficile a engendré elle-même sa propre solution. Elle-même, elle engendrera sa propre solution. Amen. C'est le ramener qui me dérange. Maintenant, regardez ceci. C'est dans ces situations-là, c'est dans ces circonstances que Moïse est né. Regardez Exode 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Attends, il n'a pas bien lu. Un homme de l'église avait pris une femme, une fille de l'église. C'est pas comme ça dans votre vie. Non? Non? Un homme de l'église. Oh non, de la maison de l'église, j'avais pas. Bref, un enfant de Dieu ne se marie pas dehors. Ne va pas me chercher un musulman à 17. Non. Un chrétien épouse une chrétienne. Et une chrétienne épouse un chrétien. Ne vous mettez pas sous le même joug avec les étrangers ou les incroyants, les incrédules. Ça va peser sur vous et ça va vous détruire. Donc, un homme de l'église avait pris pour femme une fille de l'église. Voilà. Cette femme devint enceinte et enfanta un
et vit qu'il était beau. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont écrit ça. Je n'ai jamais vu une maman qui regarde son bébé et dit « Il est laid !» Jamais. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Mais je n'ai jamais vu une maman qui dit « Ah, il est laid !» Je me rappelle, j'avais un professeur de français. Il était juste grave. Il s'appelait Nyembo Kimun. On l'appelait Fédon. Pauvre Fédon. Et un jour, dans, vous savez, les autobus de chez nous, là, on est plein là-dedans. Il y avait une maman avec son bébé. Et puis, Nyembo était à côté. Et il commence à jouer avec le bébé. Et puis il joue avec le petit. Et puis il dit, ah, qu'il est laid ce petit. Anyway, vous pouvez vous imaginer la suite. Elle vit qu'il était beau. Moïse était beau. Amen. Selon les standards de sa mère. Et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une pièce de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La soeur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. Donc, et là, il y a un décret de mort sur tous les garçons. En ce temps-là, il n'y avait pas d'échographie. C'est seulement après la naissance qu'on voyait si c'était un garçon ou une fille. Et là, elle a cet enfant, elle se rend compte que c'était un garçon. Ne sachant pas quoi faire, le trouvant tellement beau, elle l'a caché pendant 3 mois. Mais à 3 mois, un bébé, bah, ça devient grand, ça devient un peu bruyant. Ça devenait de plus en plus difficile de les cacher. N'importe quel soldat égyptien pouvait penser prendre cet enfant et aller le jeter dans le Nil. Mais elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'enfant. Elle fait un panier de jonc rempli de bitume pour que le panier ne coule pas. Et elle met cet enfant dans le panier et elle va le poser. Elle va les cacher sur le fleuve Nil, entre le roseau. Et là, elle dit à sa sœur, tu vas aller surveiller ouais, la sœur de l'enfant, ou la fille. Elle dit à sa fille, va surveiller ton frère, et s'il y a quelque chose, tu viens me dire. Et là, j'imagine, elle allait de temps en temps pour arriver le petit, ainsi de suite, alors que sa sœur s'est cachée dans les roseaux pour surveiller le petit. Mais il est arrivé quelque chose ce jour-là. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent au bord du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?»« Ah !» répondit la fille de Pharaon. Pose un peu là. Regarde, la fille de Pharaon allait pour se baigner. Là, elle descend avec toute sa suite, toutes les filles de la cour et tout ça. Et là, quand ils vont au Nil, ils voient ce panier. Il dit, mais allez me le chercher. Là, il y en a une qui va chercher le panier. Il arrive, on ouvre le panier. C'est un petit bébé en train de pleurer là. Et vous savez, les filles avec les bébés, ça fait toujours un. Si tu veux marquer des points, prends des bébés. Et que tout le
Tous les garçons disent Amen. Yeah. Là, la fille de Pharaon va le bébé, voit le bébé et dit, oh, c'est un enfant des Hébreux. Mais comment est-ce qu'elle a su que c'était un enfant des Hébreux? Parce qu'elle a pris ce bébé et l'a descendu sa couche Pampers. Elle avait des Pampers. Et elle descend au Pampers, elle voit que le petit était circoncis. Il y avait la marque de l'alliance. C'était un peu. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me lire à Colossiens 2, 9? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On parle de Jésus. Amen. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. C'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite. Mais de la circoncision de Christ. Aha. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême. Notre circoncision, c'est le baptême d'eau. Tu sais, comme la fille de Pharaon a regardé, ah, il est circoncis, c'est-à-dire que c'est un hébreu. Aujourd'hui, si cette fille de Pharaon te regardait, dit, ah, tu n'es pas baptisé. Ou si elle voyait, ah, tu es baptisé, c'est-à-dire que tu es. Et Dieu va aussi loin dans le livre de Genèse 16, si je ne m'abuse, parlant de la circoncision lorsqu'il donne l'alliance. On va regarder ça rapidement. La circoncision est vraiment l'image de notre baptême dans le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, maintenant, regardez qu'est-ce qu'on dit ici. Il dit, oh, toi tu parles tout le temps du baptême, tu parles tout le temps du baptême. Voici pourquoi. Genèse 17. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants. À partir du verset 9. Selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Moïse avait 3 mois. Selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. Continue. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis. Dans sa chair. Sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura donné mon alliance. Wow. Tu sais, lequel des alliances est supérieur? La nouvelle. L'alliance nouvelle est supérieure à l'ancienne. Le baptême est supérieur à la circoncision. Amen. Mais si la violation de cette alliance inférieure faisait que tu sois exterminé du milieu du peuple, combien davantage la violation de cette alliance supérieure va te faire mettre dehors? Allô? Allô? Et je dois être enseveli avec Christ par le baptême. C'est ça mon alliance avec lui. Amen. Ça commence là. On retourne à Exode. Maintenant, attendez. Le fils de Pharaon, là, il dit, c'est un enfant des Hébreux. Et là, la petite, la grande sœur s'approche en douceur. Et là,
Elle dit, Son Altesse, pardonnez mon importunité. Permettez que je vous adresse la parole au moins cette fois-ci. Je sais que je suis une classe inférieure, mais... Bon, ça c'est la version du domaine. C'est pourquoi vous ne voyez pas ce verset dans votre Bible. Lisez plutôt le verset 7. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» En d'autres termes, tu n'as pas accouché de cet enfant. Tu ne peux pas l'allaiter. Tu veux que je t'offre une opportunité. Est-ce que je peux te chercher une femme qui peut allaiter cet enfant ? Et la fille de Pharaon lui répond, va. Lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Et la jeune fille a dit, maman, nous avons Moïse, dit, qu'est-ce qui se passe ? Bon, je ne sais pas si on l'a appelé Moïse, là. C'est la fille de Pharaon qui l'a appelé Moïse. Bon, le bébé, on va dire. Le bébé. Mais qu'est-ce qui se passe ? La fille de Pharaon, elle a trouvé le bébé. Oh non ! On est fini. Non, ne t'inquiète pas, maman. Elle aime le bébé. Elle cherche quelqu'un pour nourrir le bébé. Et je vous dis, cette maman a dansé. Alléluia. Dieu nous a donné une solution. Et elle est allée vers la fille de Pharaon. Et écoutez ceci. Verset 9. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Wow! La femme, la fille de Pharaon dit, « Prends cet enfant, va l'allaiter pour moi. » Et moi, je m'imagine toujours, parce que je sais que ça ne s'est fait pas, ça ne s'est pas, ça, tout ceci ne s'est pas passé dans une heure, comme on est en train de faire. Donc, il y a eu plusieurs choses que la Bible ne nous a pas dit. Moi, j'imagine un peu cette maman. Mais, pardon ma princesse, si j'amenais l'enfant à la maison et que les gardes passent, ils peuvent prendre l'enfant et puis les jeter dans la ville. Oh, ça, c'est pas un problème. Et vous deux, là, accompagnez-la. Vous allez rester devant cette maison et personne ne touche à cet enfant. Eux qui n'avaient pas de sentinelles, ils ont maintenant des sentinelles dehors. Et là, il dit, ben, c'est parce que pour le lait maternel, ça prend que tu manges beaucoup de pondou. Et comme le pondou vient du Congo, ça coûte un peu cher à l'Égypte. Ok. On va vous donner une allocation familiale. Et c'est Dieu qui a inventé l'allocation familiale. Ce n'est pas le gouvernement du Québec qui a inventé l'allocation familiale. Cette femme était payée pour allaiter son propre bébé. Cette femme était payée pour allaiter son propre bébé. Rentre avec l'enfant à la maison, allaite-le pour moi. Quand il devient grand, tu vas me le ramener. Et voilà, je vais commencer à t'envoyer un chèque par mois. Et je te donnerai ton salaire. Écoutez, le Nil qui était l'outil de destruction pour Moïse est devenu l'élément que Dieu a utilisé pour épargner sa vie. Cet enfant qui devait être source de stress pour sa famille, à n'importe quel moment, il pouvait être découvert. Tu peux t'imaginer l'angoisse et la détresse que cela a généré pour les parents. Mais cet enfant est devenu source de protection et source de provision pour cette famille. Écoute, des fois, tu regardes une situation difficile par laquelle Dieu est en train de te faire passer. Ne décourage pas. Ne laisse pas tomber le bras. Tiens seulement fort. Cette situation va donner naissance elle-même à sa propre réponse. Dieu est au contrôle en tout temps. La Bible nous dit que même lors du déluge, Dieu était assis sur son trône. Il n'y a pas un seul moment où Dieu n'est pas au contrôle. Il est au contrôle en tout temps. Et Moïse a été allaité dans sa maison. Il a été élevé dans sa maison. Il allait à l'église avec ses parents. Il a fréquenté l'école du dimanche de son église.
et ses parents l'ont élevé en lui disant, tu n'es pas hébreu, enfin tu n'es pas égyptien, tu es hébreu. Tu n'es pas égyptien, tu es hébreu. Tu n'es pas un idolâtre, tu es un adorateur. Tu n'adores pas plusieurs dieux, tu adores le seul et l'unique vrai Dieu. Tu es un adorateur de Jéhovah. Tu n'es pas n'importe qui. Et Moïse, quand il a grandi, il savait exactement qui il était. Amen. Amen. C'est sûr qu'il a été obligé de faire des choses. Mais je sais que quelque part, en lui, si cette semence n'était pas semée, il n'allait pas devenir qui il était. Le livre des Proverbes nous dit, conduis un enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il deviendra grand, même l'exposition à la science, à la connaissance, à la richesse de Pharaon n'a pas pu enlever ce qui a été semé en lui, alors que encore tout petit. Écoutez, la philosophie aujourd'hui, la psychologie aujourd'hui nous dit ceci, que la partie de la vie d'un homme, la plus importante, c'est entre 0 et 6 ans. Entre 0 et 6 ans, c'est là où 90% de ce que tu vas devenir est déterminé. Entre 0 et 6 ans, c'est là où ton caractère est formé. C'est là où ta personnalité est formée. Les autres 10%, c'est l'instruction. Mais l'éducation, nous l'avons 0 et 6 ans. C'est là où tout se fait ou tout se détruit. Et c'est pourquoi même dans nos traditions ici, traditions qu'on est en train d'essayer d'effacer à grands coups de gomme, mais même dans nos traditions ici, un enfant ne commençait pas l'école avant 6 ans. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un chiffre avec lequel qui se sont réveillés et puis dit bon, ça fait bon 6, on commence à 6. Non, c'est parce que c'était étudié et c'était observé qu'à partir de 6 ans, cette formation cruciale qui détermine quel genre de personne il va être est complétée. Là, on va lui donner maintenant l'instruction. Là, on va lui donner maintenant la connaissance scientifique. Le 10% qu'il va faire qu'il puisse avoir un diplôme et qu'il puisse faire de l'argent. Mais vous savez quoi? Tu peux avoir un diplôme et être, on appelle, on dit l'éducation. Ce n'est pas l'éducation qu'on a à l'école. C'est l'instruction. L'éducation, on l'a à la maison. Et un diplômé mal éduqué, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est pourquoi nous avons toutes ces dictatures au pays-là. Ce sont des gens très instruits, mais très mal éduqués. Ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Nous sommes en train de vivre dans une société où aujourd'hui, vous savez, c'est tout un plan que si tu commences à le regarder, à l'observer, il est clair là devant nous. Si tu regardes avant les affaires de garderie, de tout ça, il y avait moins de violence, moins de cris, moins de turbulence, moins de, comment on appelle, les enfants qui sont... L'hyperactivité. Ce sont des termes nouveaux. Ça n'existait pas dans notre société à l'époque. Mais non. Les statistiques disent ceci. Un enfant qui va à la garderie, pas à l'école, à la garderie, là, quand ils ont 2 ans, 3 ans,
commence à le faire garder dehors. Un enfant qui va la garder. Et un enfant qui est resté à la maison jusqu'à ce qu'il va à l'école. Il y a 30% plus de chances de tomber dans la délinquance parmi les enfants qui vont à la garderie que parmi ceux qui restent à la maison. 30%, c'est énorme. C'est gigantesque. C'est beaucoup. On va raconter une petite histoire et puis on va revenir à ça. Vous savez, il y avait un couple congolais, je raconte toujours cette histoire, qui faisait garder leur enfant. Après avoir étudié toutes ces choses, il dit, ah, nous on ne va pas garder notre enfant à la garderie. Comment on dit, la vraie garderie, on va aller en milieu familial. L'autre, je ne sais pas comment on l'appelle. Donc, ils ont trouvé une famille pakistanaise. Et là, ils ont commencé à laisser leur enfant là. Et plus le temps passait, plus l'enfant grandissait. Quand l'enfant était petit, tout était correct. Mais plus l'enfant grandissait, ils ont commencé à observer quelque chose. C'est-à-dire, quand ils sortaient du travail, ils allaient récupérer l'enfant. C'est comme si l'enfant devenait triste d'aller à la maison. Mais le matin, quand il le préparait pour l'amener à cette famille, c'est comme si l'enfant devenait excité et tout content. Ils ont dit, mais c'est quoi ça? Après un moment, ils ont commencé à remarquer que l'enfant ne parlait pas à Jambo, à Bali, Samboni. Il commençait à parler à Rengli. Ils étaient dans le choc. Leur enfant congolais commençait à parler tambour. Parce qu'il n'était pas là pour s'investir. Alors, ce n'est plus un Congolais, c'est un Sri Lankais. Mais quand il va grandir, sa culture va être en choc avec la culture des parents. Et il va commencer à y avoir des frictions dans la maison. Et qu'est-ce qu'il va dire? C'est que ça va générer un délinquant. Tu sais, à chaque fois quand je viens ici à l'église, vers 8h, 9h, 10h, je vois des petits bouts de choux, des noirs, des blancs, des Québécois, de toutes couleurs qui tiennent une petite corde. Et là, en avant de cette corde, une maman avec le foulard. En avant, en arrière de la corde, une autre maman avec le foulard. Toi, tu veux vraiment me dire que ces enfants qui passent 8 heures avec deux instructrices, c'est quoi? Institutrice ou quoi? Éducatrice, deux éducatrices musulmanes qui tiennent à porter leur truc. Tu vas me dire que ces enfants ne sont pas influencés par la croyance de ces femmes? Tu rêves. Réveille-toi. Réveille-toi. Ne sois pas surpris quand ils ont 7 ans, 8 ans. Oh, moi j'aime l'islam. Pourquoi est-ce qu'on se bat contre l'islam? L'islam, c'est la paix. Qui t'a dit ça? Ce n'est pas la paix. Ne sois pas surpris. Ne sois pas surpris. Tu sais, Dieu nous a confié ce bout de choses. Ok, c'est bon. Il y a assez de gens qui sont partis maintenant. C'est bon, parce que sinon, on va pas être une solution. Amen. Amen. Alléluia. Mais là, Dieu. Ces bouts de choses, pas pour que nous allons le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Amen. Mon père disait toujours ceci: Tembo a chokake menoyake. Que l'éléphant ne se fatigue jamais de porter ses défenses.
Ça, c'est. Vous venez de comprendre là, que mon père était africain. Amen. Avec les Africains, il y a toujours quelque chose avec les animaux. Dembo Achoka Kemenoyak. L'éléphant ne se fatigue pas de porter ses défenses. Dieu va nous demander de rendre des comptes pour chaque âme qu'il nous a confiée. Et le premier, ce sont nos propres enfants que nous avons engendrés. Amen. Maintenant, Moïse a été amené chez sa mère, là où il a été élevé, il a été sevré. On va lire le verset 10. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Moïse a été amené à la maison de Pharaon alors qu'il était sevré. La plupart des savants bibliques, les érudits de la Bible, les théologiens disent qu'il était amené à la maison de Pharaon entre 6 et 8 ans. Et là, il a commencé maintenant à grandir dans les choses de l'Égypte. Mais voyez ceci, ça ne faisait pas longtemps. Regardez le verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leur pénible travail. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu dans ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Waouh! Regardez, il devient grand, il va chez ses frères. La Bible nous dit qu'il est allé chez ses frères. Chez ses frères là, c'est comme il savait que. Ça va? Ouais, mais priez seulement. Priez seulement, ça va aller. Amen. Alléluia. Ça va aller. Maintenant, regardez ceci. On l'amène chez Pharaon alors qu'il est déjà à un certain âge. Mais tout l'enseignement de Pharaon n'enlève pas en lui son identité. Parce que son identité était déjà ancrée en lui. Il sort, il voit les Égyptiens qui maltraitent les Hébreux. Il regarde à gauche, il regarde à droite, personne n'est là. Il frappe l'Égyptien et il le tue. Il enterre sous le sable. Et là, le jour passe. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellent. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêtait près d'un pont. Maintenant, regardez ceci. Le deuxième jour, il sort. Là, il ne voit pas un Égyptien qui maltraite un Hébreu. Il voit deux Hébreux qui sont en train de se chicaner, de se tirailler, de se battre. Là, il ne fait pas comme le jour avant. Il ne tue personne. Pourquoi? Parce que les deux sont Hébreux. Moïse avait un parti pris. Pourquoi? Parce que Moïse savait qui il était. Là, il voit, il y va, et le discours est différent. Pourquoi vous faites trop de mal? Vous êtes frères, arrêtez ça. Et là, un des Hébreux le regarde et dit, « Ah, qui t'a établi juge sur nous? Tu veux nous tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et là, il s'est dit, « Oh, oh, la chose se sait. » Et il prend fuite devant Pharaon, et quand Pharaon apprend la chose, il se dit une chose, « Moïse, ça n'a pas marché. Nous avons voulu faire de lui un de notre, mais ça n'a pas marché. Nous avons essayé de faire de lui un Égyptien, mais ça n'a pas marché.
il faut que nous nous en débarrassons maintenant. Et là, Moïse prend la fuite et il va se cacher dans le désert de Madian. Maintenant, vous savez, nous ne pouvons pas commencer assez tôt à inculquer la parole de Dieu dans nos enfants. Nous ne pouvons pas, ce n'est jamais assez tôt pour commencer à enseigner, à lire ces choses à nos enfants. Le moment le plus crucial, c'est entre 0 et 6 ans. Et savez-vous, les statistiques disent ceci. Je pense que c'est 60 ou 70% des gens qui donnent leur vie au Seigneur. C'est en bas de 10 ans. En bas de 10 ans, tu as 70% de chances de donner ta vie au Seigneur. Oh, oh, elle va en haut, là. Et si, plus le temps avance, moins de chances on a de donner la vie au Seigneur. Le plus tôt on commence, le mieux c'est. Le plus tôt on commence, le mieux c'est. Lis la parole de Dieu à tes enfants. Assis-le dans la maison et partage avec eux la parole de Dieu. Les histoires de lits que tu leur de nuit que tu leur lises. Il y a des belles histoires dans la parole de Dieu. Il y a des histoires de David, il y a des histoires de Samson, il y a des histoires de Gédéon. Ça fait des belles histoires de lui qui inculque la parole de Dieu déjà dans le cœur de ton fils. Fais-le. Et très souvent, un enfant qui est amené régulièrement à l'école du dimanche, un enfant qui, dès qu'il est petit, ses parents l'amènent à l'église. Savez-vous à quel âge environ il reçoit le Saint-Esprit? Entre 6 et 9 ans, c'est là où la plupart de nos enfants reçoivent le don du Saint-Esprit avec le guidance de parents. Hein, parce qu'ils ont été inculqués, ils ont été élevés dans ces choses. Et on ne peut pas négliger cela. Ça fait la différence dans la vie de Moïse parce qu'il a grandi dans la maison de ses parents. Ça fait la différence dans la vie de Moïse parce qu'il a grandi là où la parole de Dieu était constamment lu. Il a grandi avec ces choses. Là, Moïse est en fuite. On va l'accompagner jusque chez Réuel. Moïse est en fuite maintenant. Verset 16. Le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent leurs eaux pour abreuver le troupeau de leur père. Wow! Il avait 7 filles. Pauvre papa. Il n'avait pas de garçon. 7 filles. 7 filles. Mais avoir son tour dans la salle de bain devait être long. 7 filles. Hein? Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit voir leur troupeau. Quand ils furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Attends. D'habitude, ces filles, parce qu'elles étaient des filles, elles rentraient toujours tard. Parce que quand elles arrivaient au puits, il y avait des garçons avec leurs troupeaux. Et ces garçons-là n'étaient pas des pentecôtistes. Parce que nous, on ne fait pas des choses comme ça. Amen. Et parce qu'ils n'étaient pas pentecôtistes. Même s'ils arrivaient en retard. Ils bousculaient les filles et ils faisaient boire leurs brebis avant. Et ce qui fait que les filles arrivaient chaque jour en retard. Mais ce jour-là, quand ces garçons sont arrivés, Moïse était endormi en dessous d'un ruisseau. Et ils ont pensé qu'ils allaient faire comme d'habitude. Mais Moïse était un pentecôtiste. Il s'est levé, il a
frappait ses garçons et il a laissé les filles boire. Et ce jour-là, les filles sont rentrées tôt. Et le papa dit, mais oh, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Comment se fait-il que vous êtes rentrées tôt? Et ils disent, un Égyptien était là, il a chassé les bergers, il nous a fait boire. Mais pourquoi est-ce que ces filles disent un Égyptien? Quand la fille de Pharaon l'a regardée, elle a dit, oh, c'est un enfant des Hébreux. Maintenant, ces filles de Réuel le regardent et disent, un Égyptien. Pourquoi? À cause de la forme de son nez? Non. Moïse avait un nez des Hébreux. Il était hébreu de père et de mère. Mais quand ils ont regardé son habillement, Moïse était habillé comme un prince égyptien. Moïse avait pris fuite de l'Égypte. Mais quand ils ont regardé son habillement, ils ont dit un Égyptien. Les gens disent, oh, l'habillement, c'est pas important. Dieu regarde au cœur. Il n'y a pas d'argument là-dessus. Dieu regarde au cœur. Mais moi, je ne peux pas regarder à ton cœur. Les hommes ne voient pas le cœur. Et c'est pourquoi nous devons avoir un habillement qui reflète notre identité. Les hommes ne peuvent pas voir ce qu'il y a dans le cœur. Le problème, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Et afin qu'ils puissent voir et qu'ils puissent glorifier votre Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas... Oui, Dieu regarde au cœur, mais laissez-moi vous dire, Dieu regarde aussi à ce qui couvre ses cœurs. Parce qu'il nous dit, offrez donc vos corps, pas vos cœurs, vos corps, pas vos cœurs, vos corps, C-O-R-P-S, comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice vivant. Dieu regarde à l'accoutrement. Maintenant, est-ce que quand on me regarde, est-ce qu'on va dire que je suis pentecôtiste? On a regardé Moïse, on a dit, ah, il est égyptien. À une époque, tu pouvais voir tous les Aïrois, on les appelait les Aïrois à l'époque. Tu pouvais regarder tous les Aïrois et te dire, ah, lui c'est un Aïrois. Pourquoi? Parce qu'il s'habillait en abacos. Le costume était interdit. Un costume comme ça, tu mettais ça, tu allais en prison. Ça prenait l'abacos. Et il y en a qui me regardent et disent, l'abacos c'est quoi? C'est un truc que Mobutu nous a imposé pendant des années. C'est-à-dire, c'est presque la même chose, mais c'est fermé comme ça jusque-là. C'est ça l'abacos. Même quand il fait chaud, il va avoir parce qu'il est allé en Chine. Et j'ai lu l'histoire de l'abacos. Apparemment, quelqu'un avait dit à Mobutu que les costumes ne lui faisaient pas très bien, mais quand il mettait les trucs à col Mao, c'était parfait sur lui. Donc, tout le peuple devait en pâtir. Tu faisais la prison quand tu portais la cravate. On n'avait pas le... C'était hors la loi de porter une cravate. Et le premier opposant, quand ils se sont opposés, le signe de leur opposition, c'est qu'ils sont sortis en public en cravate. Et ils ont été jetés en prison. Dieu regarde à notre habillement. Tu ne peux pas t'habiller avec des trucs foubou, machin, fat form, des choses qui te dépassent gros comme ça, et les pantalons baissés là en dessous des fesses. Je n'ai jamais compris cela. Les pantalons sont en dessous des fesses, mais tu mets une ceinture. En dessous des fesses, la ceinture n'est plus efficace. Elle a perdu ses fonctionnalités. Et là, quand tu le vois, c'est comme
On va monter ses pantalons. On va être comme des hommes. Et on va s'appeler. Vous savez, l'argument. Pourquoi les gens se fâchent tellement quand on parle de la Bible? Et je vous ai dit, les gens ont quitté l'église à cause de la Bible. Et ils disent que ce n'est pas important. Si ce n'était pas important, ils n'allaient pas quitter l'église. Alors, donc tu veux dire que c'est tellement pas important au point où tu quittes l'église à cause de ça. Waouh! Vous savez pourquoi ça nous affecte? Parce que notre habillement, c'est nous. Mon habillement, c'est moi. Tu sais, je ne peux pas porter quelque chose à laquelle je ne m'identifie pas. C'est impossible. Et vous le faites toujours. Quand vous allez au marché, surtout les dames, là, elles vont au magasin, elles regardent. Ah non, je ne peux pas mettre ça. Ça, ce n'est pas moi. Qui a déjà dit ça? Ça, ce n'est pas moi. Je ne peux pas mettre ça. Évidemment, ça, ce n'est pas toi. Notre habillement, c'est notre identité. C'est notre identité. C'est pourquoi quand on touche à l'habillement, ça va droit au cœur. Ça va droit au cœur. Les gens disent, oh, la vie ne fait pas le mal. Mais on reconnaît le mal par sa soutane. Alléluia. Et je vais vous épargner l'histoire de la prostituée que tu connaissais. Oui. Mais c'est pas la même question. C'est pas la même question. Ok. En fait, quand j'étais au Cameroun à l'école française, on avait un cours d'histoire était guadeloupéenne. Quand tu rentres dans sa salle de classe et tu as ton pantalon baissé, elle te met devant toute la classe pour que tu le remontes jusqu'au ventre. Elle te laisse pas genre rentrer dans la salle où tu as un chewing-gum, tu prends le chewing-gum, elle te donne un mouchoir, tu mets devant, tu mets à la poubelle. Tu rentres pas dans sa classe mal habillée. Malheureusement, ces temps pour nous ici, c'est passé. Si tu fais ça, moi, écoutez, sincèrement, je ne peux pas être enseignant à l'école ici. Parce que je vais faire la prison très vite. Deux jours là, c'est fini, je suis en prison. J'ai frappé un élève, un étudiant africain a frappé un élève, un professeur africain a frappé un élève. Bon, la prison. Tu ne peux pas tolérer ces choses qu'ils font. C'est intolérable. C'est intolérable. Je veux vous raconter une anecdote. Je suis arrivé ici il y a 26 ans, 27 ans. Et deux ans après, j'ai commencé à l'école nationale d'aérotechnique, collège Édouard Montpetit, à Saint-Hubert. Mon premier cours, c'était un soir. J'étais dans le cours. Moi, je m'assois toujours en avant parce que quand on était au Congo, enfin, nos classes, c'était, bon, première année primaire, un professeur a peut-être 120 élèves. et tout seul, le pauvre dans la classe. Donc, quand mon père m'amenait à l'école, le premier jour, il me disait, tu t'assois en avant, et puis tu restes là, parce que ces profs-là, ceux qui dérangent dans le fond, il n'a pas le temps pour eux. Il a 120 étudiants dans la classe élève. Donc mon père me faisait toujours asseoir en avant. Et quand je m'assoyais en avant, je le regardais, je lui faisais ça, il faisait ça. Alors là, il partait à l'école, plutôt au travail. Il ne voulait pas que je m'assoie en arrière. Donc j'ai développé cette habitude. Je ne m'assois jamais en arrière, je n'aime pas. Je veux toujours être en avant. Mais là, on est à l'école, au collège, je suis au premier banc, à toute première table. C'est moi, Dieudonné Kahoussé. Et là, le professeur commence, je m'appelle Raymond Lémé, blablabla, on a sympathisé un peu, il a été enseignant en Côte d'Ivoire à un moment donné, blablabla, et le cours commence. Et il commence à faire cette technologie des matériaux, blablabla. Et puis là, en pleine explication, j'entends une voix en arrière qui dit « Hey, Raymond !» Là, j'ai sursauté. J'ai pensé,
qu'il y a un directeur qui est là, que moi je n'ai pas vu ou quelque chose, et pourtant la porte est là. Je me soupçonne, je regarde, c'est un étudiant. Là, je me saute encore, je regarde. Là, j'attendais la réaction du prof. Pour moi, cet étudiant allait se faire ramasser comme possible. Là, le prof dit oui. Et puis, l'autre, il pose sa question et il continue à répondre. Je regarde le prof. Rien n'arrive. C'était mon premier choc culturel. Amen. Incroyable. Ça ne pouvait pas arriver chez nous. Même pas à l'université, ça n'arrive pas. Waouh! Et c'était juste, hey Raymond! Je l'appelais monsieur, 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 et j'étais fatigué de l'appeler monsieur. À la fin, j'ai commencé aussi à l'appeler Raymond. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu l'appelles monsieur, il me dit non, moi je ne suis pas monsieur, je suis Raymond. Je ne voulais pas l'appeler Raymond. Il ne voulait pas monsieur. J'ai commencé à l'appeler grand chef. Non, moi je ne suis pas grand chef. J'ai tout essayé, ça. Ça ne marchait pas, je... Attendez, discipline, que tout le monde dise discipline. Discipline, c'est crucial, c'est très crucial. Nous devons veiller à cela. Donc, notre code vestimentaire est très important. Vous savez, ton habillement, c'est ta première carte de visite. Amen. Ton habillement, c'est la première chose qui annonce qui tu es. Mais non, on ne veut pas faire des hypocrites non plus. Amen. On ne veut pas juste avoir la cravate et la costume, le costume, et puis dans la bouche, c'est des jurons qui sortent. C'est des mauvais mots. Tu vois cela aussi de nos jours. Tu vois des dignitaires. Mais quand ils parlent, tu dis, mais c'est quoi ça? Mais c'est le problème de notre société aujourd'hui. Ils ont dit un Égyptien. Et voyez le verset 19. Plutôt, le verset 20. Il dit à ses filles, cet homme avait combien de filles? Sept. Sept filles. Et là, les filles disent, il y avait un Égyptien qui nous a aidés, et puis ainsi de suite. Mais regardez sa réaction. Il dit à ses filles, Où est-il? Où est cet homme? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Appelez-le pour qu'il prenne quelques... Vous voyez un homme et puis vous le laissez comme ça? Moi, j'ai sept filles à partir d'ici. Un homme qui a sept filles. Il voit un homme qui démontre la galanterie. Il commence déjà à faire ses plans. Une vient de partir. Alléluia. Où est-il? Où est-ce que vous l'avez laissé? Amenez-le! Moïse décida à demeurer chez cet homme. Ils l'ont amené. Qui lui donna pour femme Séphora. Vous voyez? Il lui a donné Séphora comme femme. Où est Séphora? Il n'est pas là aujourd'hui. Elle enfanta un fils. Qu'il appela du nom de Gershom, car dit-il, il a mis sa vie. Là, Moïse est allé chez Réuel, et Réuel lui a donné Séphora, sa fille aînée, comme femme, et finalement, ils ont commencé à avoir des enfants, et quand il a enfanté son premier fils, il a appelé Gershom. Et Gershom signifie « J'habite un pays étranger. Je suis un étranger dans le pays de ma résidence. » C'est-à-dire, Moïse commence à se rappeler de qui il est, d'où il vient. La nostalgie commence à rentrer. Vous savez, quand tout ceci se passe, Moïse avait 40 ans. 40 ans, c'est la jeunesse. Je sais que si vous avez 20 ans, vous dites, ouais,
40 ans, je vous dis, c'est la jeunesse. Moïse était jeune. Et quand il était jeune, il a ressenti cet appel de Dieu pour délivrer son peuple. Mais il n'a pas voulu attendre selon le plan de Dieu. Il a voulu le faire à sa façon. Il voit les soldats égyptiens, il va, aïe, il les tue, je vais libérer mon peuple. Mais vous savez, quand l'armée de l'Égypte a tourné ses lances vers lui, il a pris fuite. Et il est allé se réfugier dans le désert. On va le laisser dans le désert pour 40 ans. On ne va pas le laisser 40 ans. On va faire un arrangement, ok? Une semaine par année. Au lieu de 40 ans, on va le laisser là pendant 4 semaines. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'études bibliques du lundi aux 4 semaines. Il y aura étude biblique du lundi. Amen. Mais c'est seulement Moïse qui va rester dans le désert. Le lundi prochain, je vais être absent parce que je vais partir. Je me sens un peu guerchon. Et mon père a vieilli. Et l'année passée, on a loupé de voir ma mère venir, mes enfants et tout. Et ça a toujours été la chose que j'ai toujours demandé au Seigneur. J'ai toujours voulu que mes enfants voient chez nous, voient où je suis né, où j'ai grandi, qu'ils voient mes parents, qu'ils sachent d'où nous venons, qu'ils connaissent leur identité. Et nous allons avoir l'opportunité d'y aller là. Voilà, je vais être absent pour 3 semaines. Mais nous partons le lundi 20. Mais il y aura des gens valables et ils vont apporter des sujets très valables, très pertinents. Tout est orchestré par Dieu. Amen. Tout est orchestré par Dieu. Soyez fidèles à l'étude de lundi. Et quand je vais revenir, je vais vous trouver grandi et frais. Mais si vous coupez cette étude, quand je vais revenir, je vais le voir dans votre esprit que vous allez être fané. Vous allez sécher, vous allez être jaune. Vous voulez rester vert. Amen. Et vous voulez rester frais. Il n'y a rien de tel que de s'exposer continuellement à la parole du Seigneur. Continuellement à la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Il y a une affirmation. Oui. Affirmation, c'est ce que vous avez dit à propos de d'instruire les enfants le plus tôt possible. Oui. C'est que mon fils, le dernier, ce que j'avais fait, c'est que quand sa mère le portait, je n'étais pas chrétien. Mais ce que je faisais, c'est que je chantais une petite chanson en créole pendant que je portais l'enfant. Après qu'il est né, après qu'il commençait à parler, il ne parlait pas créole. Mais il fait la chanson par cœur. Il chante la chanson par cœur. Quand il dit tout ça, il chante la chanson en créole. Il ne parle même pas créole. Waouh. Une petite chanson que je chantais pendant sa mère le portait. Alors, ce que j'aimerais dire à mes soeurs, ceux qui sont parfaits, c'est de prier, de lire la Bible à haute voix, à l'enfant et à votre voix. Il va entendre l'écouter, il va se vous garantir. Vous savez, la parole du Seigneur est puissante. Elle est vie. Et quand elle est parlée dans la vie des enfants, juste, m'accordez-vous 5 minutes. Genèse 1. Juste, on va parler juste de la puissance. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Waouh. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Mais tout de suite après, il donne un autre verset qui semble contredire le premier verset. Et il dit, la terre était informe, c'est-à-dire que la terre n'avait pas de forme et elle était vide. Il n'y avait pas de matière. Les deux éléments qui définissent toute entité sont absents. Mais néanmoins, Dieu dit, il a créé les cieux et la terre. En d'autres termes, elle était invisible.
On ne veut pas la voir, on ne veut pas la toucher, mais il l'a créée, elle était là. Et tout ce qu'il y avait, c'était juste de l'eau. Mais Dieu dit qu'il a déjà créé les cieux et la terre. Si on continue. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue. Dieu dit, que tout le monde dise Dieu dit. Dieu dit. Alléluia. Qu'il y ait une étendue entre les jours, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Là, il sépare les eaux d'avec les eaux. On avait fait un croquis ici. En d'autres termes, il y a les eaux en haut et les eaux en bas et le firmament ou le ciel qui les sépare. Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela le temps du ciel, ainsi il y eut un soir et un matin, ce fut le second jour. Verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraît. Dieu dit, si tu regardes verset 11. Puis Dieu dit. Si tu regardes le verset 14. Dieu dit. Alléluia. C'est tout le temps Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Quand on dit que Dieu dit, qu'est-ce que cela signifie? Dieu a parlé. Si je dis qu'il a dit quelque chose, c'est parce que j'ai entendu sa voix. Dis quelque chose. Je t'ai dit quelque chose. Voilà, quelque chose. Quand quelqu'un dit, il vocalise. Et quand nous parlons, nous vocalisons. Dieu, dès le commencement, il a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Même si on ne la voit pas, c'est le seul moment où on parle de la création sans parole. Mais tout était déjà fait. Mais après, c'est tout simplement Dieu dit. Dieu dit. Et la parole de Dieu forme ce qui était déjà créé dès le départ. Écoutez, cette parole est puissante. Si on la laisse parler dans notre vie, elle va former les choses qui ont été déjà placées en nous depuis notre conception par Dieu lui-même. C'est pourquoi nous devons être exposés le plus souvent possible à cette parole. Laisse-la parler sur toi. Laisse-la parler sur toi. Laisse-la dire dans ta vie. Et tu vas voir des choses s'y former. Tout le potentiel est déjà là. Mais ce n'est pas formé. Tout le potentiel est là. On dit que l'énergie potentielle n'est pas exploitable parce qu'il n'y a pas de l'ordre. Quand on met de l'ordre, elle devient l'énergie cinétique, elle devient exploitable, elle produit. Et la parole de Dieu met de l'ordre dans notre vie afin que nous puissions commencer à produire, à transformer notre potentiel en cinétique. Laissez la parole de Dieu parler. Ne vous absentez pas lundi. Amen. Ne vous absentez pas lundi. Regarde ton voisin, dis-lui, ne t'absente pas lundi. Oui, en passant, là, frère Yannick, chaque lundi, pendant que tu enregistres, tu fais le tour. Moi, je veux voir. Tu fais le tour. Là, je vais être là. Ah, sœur Solange Kabat n'est pas là. Et quand je retourne, je suis à Laval. L'aéroport à Laval. Et c'est juste. Mais soyez là, soyez fidèles à la maison de Dieu. Et voilà. Je verrai qu'avant de clôturer, que vous priez pour nous. Je veux que cette étude de lundi prie pour moi. Moi, je crois dans la prière. Amen. Je ne prie pas seulement pour les gens pour prier, mais parce que je crois dans la prière et je convoite vos prières. Si vous pouvez prier pour nous, pour la protection et la provision durant ce voyage. Il n'y a que moi et mon fils.
ici. S'il vous plaît, si vous pouvez venir, nous allons représenter toute la famille. Amen. Amen. Alléluia.